entité mère, Villars-Mijon, est donc une holding industrielle qui a des participations dans trois activités. Tout d'abord, le groupe Lizy, qui aujourd'hui compte plus de 10 000 personnes et qui est un des leaders mondiaux des systèmes d'assemblage, en particulier pour l'aéronautique et l'automobile. Nous avons le groupe Rapala VMC, qui est leader mondial des articles de pêche, qui compte 3 000 personnes. Et puis l'activité consommable de soudure, qui est d'une taille moindre, puisqu'elle compte à peu près 250 personnes. Lizy aujourd'hui, c'est à peu près 1,3 milliard de chiffre d'affaires avec une présence dans plus de 15 pays. Le groupe Rapala VMC, c'est 290 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une présence en distribution directe dans plus de 40 pays. Et l'activité consommable de soudure, c'est à peu près 65 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une part à l'export très significative de l'ordre de 60%. La gouvernance d'une société familiale est un facteur clé de succès, un facteur clé de succès de pérennité. Alors on a essayé de réfléchir à notre gouvernance ici en interne, pouvoir animer à la fois le cercle élargi de la famille, même les membres de la famille qui ne sont pas actionnaires, le cercle plus restreint des actionnaires, de sorte que ceux de la famille qui ont la chance de posséder des titres de la société puissent avoir un attachement fort. La chance d'avoir de travailler avec une famille comme la famille Villars, ce sont des gens qui s'inscrivent dans le business, ils sont là déjà depuis plus de 200 ans, ce sont des Hénoquins, et donc on est sur des caps à long terme, sur des stratégies à long terme, et ce qui est très, très rassurant en termes de management, ce qui permet de prendre des options et de les garder pendant plusieurs années. On n'est pas dans des changements de stratégie toutes les 10 minutes. Une différence majeure de cette société, c'est son horizon, son histoire. Elle a su traverser de nombreuses crises. Elle oriente ses métiers en fonction de perspectives industrielles, d'intérêts de développement à long terme sur des produits qui sont utilisés mondialement et aussi à se développer sur un horizon qui dépasse la génération des dirigeants actuels et qui va au-delà de cette génération-là afin de se donner une pérennité au-delà de simplement de 2 ou 3 ans. C'est sur un horizon très lointain qu'elle cherche à grandir. Il y a deux éléments dont je suis particulièrement fier. C'est un, tout d'abord, que l'entreprise est toujours familiale et qu'on a su garder notre indépendance. Puis l'autre événement, c'est d'avoir réussi à partir de l'activité pêche, la petite activité existante de fabrication d'hameçons, c'est créer un groupe mondial, pouvoir avoir cette présence mondiale et de s'associer avec une société qui était beaucoup plus grosse que la nôtre et de reprendre le contrôle de cette société par la suite.